Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, votre rendez-vous de réflexion chrétienne. Cette semaine, je vous propose d'évoquer ce qui fut peut-être le pontificat le plus difficile du XXe siècle, celui de Benoît XV. Élu pape le 3 septembre 1914 pour succéder à Pie X, il mourut le 22 janvier 1922 après un pontificat dominé par une seule chose, la Première Guerre mondiale, de son début jusqu'à ses conséquences qui se faisaient encore sentir au moment de son décès. Alors, qui fut ce pape? Qui entendit ces appels à la paix qui ne servirent qu'à lui aliéner toutes les nations en guerre? Je vous propose de découvrir la personnalité attachante et un peu tragique de Benoît XV en compagnie de mes deux invités. Christophe Diques, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, vous êtes spécialiste de la papauté contemporaine et puis vous êtes aussi chroniqueur dans de nombreux médias. Les téléspectateurs peut-être connaissent votre signature. Famille chrétienne, l'homme nouveau et la vie. Gilles Ferragu, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'université Paris-Ouest, Nanterre. Alors, peut-être pour commencer un peu la biographie de Benoît XV, on va essayer de remonter en arrière du temps où il s'appelait encore Giacomo della Chiesa. Qu'est-ce que l'on peut dire de son origine? Qui est ce monsieur Giacomo della Chiesa? Il faut bien se représenter que tous ces grands acteurs du début du XXe siècle sont avant tout des hommes du XIXe siècle. Giacomo della Chiesa est né en 1854, donc au milieu du XIXe siècle, et il est issu d'une grande famille noble dont les origines remontent au Ve siècle. Il y a très peu de familles dans l'histoire du monde, dans l'histoire de l'Europe, qui peuvent remonter aussi loin. Della Chiesa signifie de l'Église. On pourrait dire que c'est prédestiné, mais alors même s'il compte dans sa généalogie plusieurs papes, eh bien, c'est un homme, enfin, c'est une famille qui a toujours protégé l'Église, et c'est pour cette raison que sur les armes des Della Chiesa, on représente un aigle qui entoure, qui domine l'Église, non pas pour la dominer, mais pour la protéger. Donc, ma foi, Giacomo della Chiesa est issu de cette famille, 6 enfants, une fois, il est le 3e, si mes souvenirs sont bons, de cette famille. Une foi qui s'affirme très vite, hein, à cette époque-là, la pratique était complètement courante, une famille pieuse, le père, la mère sont investis dans des œuvres charitables. À l'époque, il n'y avait pas les Restos du Cœur, et c'était les grandes familles nobles qui s'occupaient des œuvres caritatives. Et une vocation très précoce, que l'on situe vers l'âge de 12 ans, mais comme la famille est peu fortunée, eh bien, on veut et on souhaite que son fils fasse d'abord des études de droit. Donc il se dirige vers des études de droit, il passe un doctorat sur l'interprétation des lois. Donc c'est tout de suite un homme qui, j'allais dire, trace une voie qui est une voie plutôt politique. On fait du droit pour généralement faire de la politique. Il est envoyé à Rome, sa famille est peu fortunée, hein, noble, mais peu fortunée, si bien que le père demande à un cousin d'aider le neveu afin que celui-ci puisse faire ses études à Rome, au Collège Capranica, puis ensuite à l'université jésuite grégorienne. Il passe là à nouveau, il fait un nouveau travail de droit. C'est un pur produit de l'administration vaticane. Il y a ce qu'on appelle à l'époque l'Académie des nobles ecclésiastiques, que l'on appelle aujourd'hui l'Académie pontificale ecclésiastique, qui est ni plus ni moins que l'école diplomatique du Saint-Siège, l'ENA, au sein du Saint-Siège. Donc ce sont des gens qui sont formés, qui connaissent le droit, très bien l'histoire de l'Église, et qui sont naturellement polyglottes. Alors parallèlement à cela, bien évidemment, c'est un prêtre, il devient prêtre en 1878. Il entrera dans le giron, c'est un moment très important, il entrera dans le giron, ou sous l'aile plutôt, du cardinal Rampolla. Le cardinal Rampolla, c'est un des plus grands personnages de l'Église contemporaine du 19e et du début du 20e siècle. Le cardinal Rampolla, c'est lui qui a failli être élu en 1903, avant que soit élu le cardinal Sarto, qui prendra le nom de Saint Pie X. Et s'il n'est pas élu, c'est parce qu'on a du mal à se représenter
cette situation, mais c'est parce que l'Autriche ne le voulait pas. À l'époque, il y avait le droit d'exclusive, qui était un privilège non écrit, mm-hmm. accordé aux couronnes, à la couronne de France, aux couronnes catholiques, à la couronne de France, à la couronne d'Autriche, à la couronne d'Espagne, et ces couronnes pouvaient dire « je ne souhaite pas de ce candidat ». Et Rampolla n'était pas apprécié par l'Autriche. Et la première chose que fera le pape Saint-Pie X une fois élu, c'est qu'il supprimera, c'est lui qui en quelque sorte instaurera cette loi du secret au sein du conclave, mmh. parce qu'il ne souhaitera pas, le pape Saint-Pie X pour ses successeurs ne souhaitera pas qu'il y ait une interférence externe dans le conclave. Alors donc, pendant très longtemps, J. Fergu, il va être une sorte de rouage de la machine vaticane. Je l'ai pas dit au début, vous êtes spécialiste du terrorisme, alors j'espère que ça ne va pas nous concerner, mais, et aussi des relations internationales. Justement, c'est quoi? Ça représente quoi dans l'Europe, dans le concert des nations, comme on disait autrefois, le Vatican? C'est une puissance forte ou c'est juste une puissance morale? Le Vatican, en fait, a connu une crise majeure en 1861. C'est une crise qui remonte à un petit peu plus longtemps avant. Mais en 1861 naît l'Italie unifiée, une Italie qui a largement récupéré les territoires, les États pontificaux pour s'assurer la domination de la péninsule. Et il lui reste finalement le cœur ou le diamant à récupérer, c'est-à-dire Rome. Rome qui tombe en 1870. Et donc, on rentre dans la période de la question romaine, c'est-à-dire d'une période où les papes n'ont plus de territoire, n'ont plus de peuple, entre guillemets, immédiatement sous leur commandement. La question de la souveraineté se pose. Qu'est-ce que c'est qu'être souverain quand on n'a pas de territoire sur lequel régner? Et donc, il faut réinventer une nouvelle souveraineté, il faut la transformer. C'est une pensée qui va émerger avec Léon XIII, qui va s'appuyer sur des stratégies diplomatiques nouvelles, et notamment sur l'idée que ce qui fait finalement la force du pape, ce qui fait sa singularité, et ce qui peut faire une forme de souveraineté complètement nouvelle, c'est un pouvoir moral, c'est-à-dire un pouvoir qui le distingue du reste des autres États et des autres chefs d'État, parce que justement, sans territoire, il est capable de prendre une hauteur, il est capable d'avoir un point de vue qui lui permet d'arbitrer les conflits. Et cette idée file à partir du XIXe siècle, tout au long de l'histoire du pontificat, jusqu'à nos jours. Je dirais que le pape François s'appuie aussi sur cette notion de pouvoir moral. Et avec Benoît XV, on a là un homme qui a été formé dans cette idée. Il est entre guillemets de l'école de Léon XIII. Il est de ce moment où le néotomisme s'impose dans l'Église avec l'idée d'un pouvoir pontifical supérieur au pouvoir des États. Et donc, il est imbu de toutes ces idées-là. C'est ainsi qu'il arrive au pontificat. Alors, peut-être rappeler ce que vous avez déjà commencé à dire à la mort de Léon XIII en 1903, je crois. Il y a une ouverture de succession un peu difficile. Le cardinal Rampolla est le favori, hein, tout simplement. Le cardinal Rampolla est le favori. Il monte jusqu'à une trentaine de voix. Et finalement, c'est le cardinal Sarto qui est élu. Donc qui est le patriarche de Venise. Voilà, qui est une sorte de candidat de compromis. On voit le Saint-Pie X comme une sorte de personnage réactionnaire aujourd'hui. Or, c'est un personnage qui, c'est ce que j'explique dans mon dernier ouvrage, ces 12 papes qui ont bouleversé le monde, j'ai voulu réhabiliter le personnage de Saint-Pie X, qui est réhabilité non seulement par l'historiographie italienne, mais aussi par les juristes. Et pourquoi les juristes? Parce que Saint-Pie X est l'auteur du code de droit canon qui va tout simplement, si vous me permettez cette image, il est au Vatican ce que Napoléon sera au code civil. Il va créer ni plus ni moins qu'un droit unique pour l'Église latine. Et ça, c'est une véritable révolution. Voilà. Et surtout, un peu en parallèle de ce que disait Gilles Ferragu, c'est que c'est un personnage qui va dire, qui va passer d'une époque à une autre. Il va dire: la temporalité du pape, c'est terminé. On ne va plus se battre pour les États pontificaux. Et il réforme la curie d'une façon, là aussi, révolutionnaire, avec beaucoup d'opposition interne. On peut faire des parallèles, d'ailleurs, entre les résistances internes qu'a rencontré Saint-Pie X et les résistances internes que rencontre aujourd'hui le pape François, en dehors de la grande popularité dont Saint-Pie X bénéficiait. Alors, Giacomo della Chiesa, il arrive dans...
il est là, il vit d'abord dans les dans l'ombre du cardinal Méry Delval, qui sera le secrétaire d'État de Saint-Pédis, puis il va être nommé en 1908 archevêque de Bologne. Alors on va dire que c'est une sanction, mais les travaux notamment d'Yves Chiron, l'historien qui s'est penché sur la vie de Benoît XV, montrent bien que ce n'est pas une sanction. Et d'ailleurs, Saint-Pédis participe au banquet, à la cérémonie qui est donnée à la suite du sacre du cardinal, enfin non pas du cardinal, du prêtre Giacomo della Chiesa, qui devient évêque, puis archevêque pour Bologne. – J'allais vous tenter de vous faire faire une opposition que vous récusez entre Léon XIII, pape progressiste, le ralliement à la République, etc., et Pie X, pape plutôt moins éclairé, et donc… arriver jusqu'à Benoît XV comme une sorte de revanche des plus progressistes. Vous récusez cette... Oui, je récuse cette idée. C'est ce qu'on lit souvent même dans les... Oui, je récuse cette idée parce que, si vous voulez, en plus, Saint-Pédis choisit... C'est spirituel d'abord, Saint-Pédis. C'est l'Église d'abord, moins la politique. Alors, c'est vrai qu'on en fait habituellement un peu politique. C'est un peu politique pour l'Europe. Pourquoi ? Parce qu'il a été impuissant à éviter le conflit européen. En revanche, et les travaux de Jean-Marc Tiki l'ont très bien montré, l'historien Jean-Marc Tiki, c'est le pape de l'Amérique latine, c'est le pape qui, un peu d'ailleurs comme le pape François, c'est-à-dire que c'est le pape qui intervient sur la scène internationale en Amérique latine. Donc, c'est le pape de la diplomatie d'Amérique latine. En revanche, il a des impossibilités. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est vrai qu'il va jusqu'au bout de la séparation, il regrette la séparation de l'Église et de l'État, mais là aussi, il faut relativiser, parce que la France, et Gilles pourra peut-être me contredire, mais la France, quand elle se sépare de l'Église et de l'État, eh bien, en Europe, elle apparaît un peu comme isolée, diplomatiquement, par rapport au Saint-Siège. C'est-à-dire que quand le conflit éclate en 1914, la France est une des seules puissances à ne pas avoir de représentation, ou bien de conseillers officieux. Bref, la France est isolée, alors que l'Angleterre, elle envoie un représentant auprès de Saint-Pédis dans les premiers jours de la guerre, parce qu'on a bien conscience que le Saint-Siège est une pièce majeure de l'échiquier politique mondial. Vous vouliez intervenir ? Tout à fait, pour rebondir sur ce que disait Christophe Dicques, effectivement, la France s'est mise dans une situation complexe au niveau diplomatique, puisque d'un côté, elle a rompu en 1904 les relations avec le Saint-Siège, et en même temps, elle doit toujours assurer, elle revendique toujours le protectorat des États catholiques, c'est-à-dire enfin, le protectorat catholique dans les États non chrétiens, et donc elle est censée avoir des relations, de ce fait, avec l'Église. Ce qui fait qu'on a assisté au développement d'une diplomatie parallèle, souterraine, pour contourner le problème qui passait soit par la congrégation de la propagande, soit par des amitiés diplomatiques diverses. Mais effectivement, en 1914, la France ne dispose pas d'un ambassadeur près le Saint-Siège. L'Angleterre a envoyé un envoyé spécial, hein, on ne peut pas nommer un ambassadeur, mais un envoyé spécial, Sir Henry Howard, qui va s'occuper justement pendant toute la guerre de nouer des liens, de tisser des liens avec le Saint-Siège. Le troisième belligérant dans le camp de la Triple Entente, la Russie, évidemment n'a pas de relation avec le Saint-Siège, mais on peut constater, et ça précise déjà ce qui va se passer en 1915, on peut constater que autant l'Allemagne, qui dispose non seulement de deux ambassadeurs, un pour la Bavière, un pour la Prusse, mais également d'envoyés spéciaux, mais également du soutien, par exemple, du général des Jésuites, Mgr Ledochowski, mais également du supérieur des Lazaristes, Mgr von Gerlach, l'Allemagne est très bien représentée au Saint-Siège. L'Autriche dispose également d'un ambassadeur qui, dit-on, communie tous les jours, ce qui en fait quelqu'un de tout à fait estimable. Ni la France, ni l'Angleterre, ni la Russie ne disposent des mêmes atouts au début de la guerre, et pour le pape, il n'a, entre guillemets, l'oreille et les informations que du côté de la triplice. Ça va être très important pour la suite du pontificat. Alors, le pape Pie X meurt à l'été. Le 20 août, il meurt brisé par le fait que la guerre amène des chrétiens des deux côtés. Qui vient d'être déclarée. Elle a été déclarée en juillet 14. Fin juillet, oui. Ça dépend des dates. Et bien, le
le pape souffrant meurt très vite. Mm-hmm. Et il y a ce moment absolument étonnant qui montre toute l'universalité de l'Église, qui est le conclave, donc d'août 1914, qui amène à l'élection de Giacomo della Chiesa. Le conclave, c'est une soixantaine de personnes, 57 personnes, 57 cardinaux. Il y a 7 Français, 6 Français, 2 Anglais. Et de l'autre côté, du côté des empires centraux, eh bien, ils sont 6. Et ces hommes sont là non pas pour s'opposer, mais ils sont là pour élire. J'allais dire, ils ne peuvent pas prendre le risque d'élire une personne qui soit pour ou contre. Encore, Rampolla n'a pas été élu en 1903 parce qu'il était considéré comme pro-français. Voilà. Donc c'est une élection qui est extrêmement difficile pour ces cardinaux, qui a un enjeu politique absolument extraordinaire. Et donc, Giacomo della Chiesa, qui est à peine cardinal, hein, il a été créé cardinal quelques mois auparavant, eh bien, est élu, et c'est une surprise. C'est une surprise parce que c'est aussi un pape très jeune. C'est une surprise, mais c'est la revanche des politiques anti, ce qu'on appelle les politiques anti. On sépare généralement les cardinaux en intransigeanti et les politiques anti, donc les intransigeants et les politiques. Lui, c'est un politique, à la différence donc du cardinal Méry Dalval, qui était le secrétaire d'État de Saint-Pie-X, qui apparaît comme un intransigeant. Et donc, il est élu. Et très vite, il écrit un premier message au monde, montrant bien évidemment sa peine. Mais très vite aussi, on va comprendre que le Saint-Siège, eh bien, ne peut pas prendre parti. Et donc, c'est toute la question de la neutralité et de l'impartialité. Alors, pour rebondir justement sur ce que disait Christophe, l'un des derniers mots prononcé par Saint Pie X aurait été « Je bénis la paix ». C'est-à-dire, il y a déjà cette idée dans c'est l'ambassadeur d'Autriche qui va voir l'ambassadeur d'Autriche qui demande à Saint Pie X de bénir les armées autrichiennes et Saint Pie X répond « Je ne bénis que la paix ». Donc c'est quasiment un exemplum justement de ce que doit être la position du Saint-Siège au sein d'une guerre. Le Saint-Siège a déjà croisé la guerre, mais on peut dire que depuis le début du XIXe siècle et depuis la catastrophe qui a été, du point de vue du Saint-Siège, la Révolution française, puis l'invasion des États romains par Napoléon, le Saint-Siège n'a plus jamais été confronté en tant que porteur de guerre. Donc là, il y a une première position qui est importante. La deuxième chose qui est intéressante aussi, c'est qu'effectivement, Giacomo della Chiesa n'est pas attendu. Un journaliste italien qui s'appelle Filippo Crispolti annonce une stupeur universelle lorsqu'on proclame le nom de Giacomo della Chiesa. De toutes parts en Europe, il est considéré comme un ami. La revue des armées françaises, très officielle, considère qu'a été élu un ami de la France. Donc, il y a une attente manifeste. On le compare, par exemple, à Consalvi, qui était le secrétaire d'État de Pie-VII et qui était considéré comme un grand diplomate. Les États, les communautés attendent quelque chose de ce pape. On attend de lui, effectivement, qu'il use de ce pouvoir moral revendiqué depuis Léon XIII. Et la position qu'il doit faire émerger, évidemment, ce n'est pas la position, on va dire, traditionnelle des papes, qui est la déploration de la guerre et le fait de savoir si on est face à une guerre juste, mais c'est autre chose. On attend de lui une autre politique. – Alors on va entendre un des premiers messages qu'il adresse, vous avez parlé du message de 1914, il y a un deuxième message en 1915, 28 juillet, c'est à l'anniversaire des déclarations de guerre, le titre est italien, on le cite d'habitude en italien, donc « Alors che fumato chiamati », alors que nous avons été appelés, donc c'est le message du pape Benoît XV. – Au nom du Dieu très saint, au nom de notre Père céleste et Seigneur, par le sang précieux de Jésus, qui a racheté l'humanité, nous vous conjurons, ô vous que la divine providence a préposé au gouvernement des nations belligérantes, de mettre finalement un terme à cette horrible boucherie qui, depuis une année, déshonore l'Europe. C'est le sang des frères qui est répandu sur terre et sur mer. Les plus belles régions de l'Europe, de ce jardin du monde, sont jonchées de cadavres et de ruines. Là où, peu auparavant, régnait l'industrieuse activité des usines et le fécond travail des champs, on entend maintenant tonner la voix formidable du canon, qui dans sa fureur de destruction n'épargne ni village ni cité, mais sème partout le carnage et la mort.
vous qui portez devant Dieu et devant les hommes la redoutable responsabilité de la paix et de la guerre, écoutez notre prière. Écoutez la voix d'un Père, du Vicaire de l'Éternel et souverain juge, auquel vous devrez rendre compte des entreprises publiques aussi bien que de vos actes privés. Les abondantes richesses dont le Dieu Créateur a fourni les pays qui vous sont soumis vous permettent de continuer la lutte. Mais à quel prix ? Qu'elles répondent les milliers de jeunes existences qui s'éteignent chaque jour sur les champs de bataille ? Qu'elles répondent les ruines de tant de bourgs et de cités et celles de tant de monuments dus à la piété et au génie des ancêtres ? Et ces larmes amères versées dans le secret du foyer domestique ou au pied des autels de supplication ne répètent-elles pas qu'elles coûtent beaucoup, beaucoup trop, la lutte qui dure depuis si longtemps ? Alors voilà, on a entendu ce texte. On va revenir un peu en arrière. Lorsque le pape est élu, quel est le contenu de ces messages ? Qu'est-ce qu'il veut faire comprendre au monde d'abord ? Alors, il est élu le 3 septembre et 5 jours plus tard, il y a un message au monde qui tente de donner des explications de cette guerre. Mais les guerres de tout temps ont les mêmes causes. L'envie, la volonté de domination, du toujours plus, c'est ce que Emilio Gentile, l'historien italien, a appelé l'apocalypse de la modernité. Là, on est arrivé à un sommet d'opposition qui met sur des champs de bataille des centaines de milliers, des millions de personnes. Et donc le pape, évidemment, se trouve en face de cela et il tente ses explications. Et l'explication... La grande explication qu'il donne, c'est l'absence de Dieu et le refus du divin. Il y a une image, c'est celle du Titanic qui représentait le progrès. Et ce progrès a échoué. Et sur le Titanic, on avait mis des slogans contre Dieu. Eh bien voilà, ce sont ces slogans, c'est l'idée du refus de Dieu qui, pour cet homme du 19e siècle, eh bien, constitue la principale cause de la guerre. Et évidemment, si ce message est écrit, non pas rapidement, mais il est publié quasiment 4 ou 5 jours après l'élection, c'est parce qu'il sait bien, le pape, qu'il y a une attente. Mais cette attente va être déçue, parce que le territoire de la Belgique a été violé contre toutes les lois internationales. Et on commence à bombarder Reims. Et la cathédrale de Reims est atteinte par ces bombardements et par la guerre. Et donc, d'un côté, évidemment, français, on s'attend à une réaction, celle de rappeler le droit international. Et cette réaction ne vient pas. Voilà. Et donc, ça pose toute la difficulté, mais ça la pose à la fois pour le pontificat de Benoît XV, mais aussi pour le pontificat de Pie XII, de l'impartialité et de la neutralité. Mais justement, qu'est-ce qui explique, pardon, ce choix de ne pas parler, enfin, ou de pas de condamner aussi vivement les agressions allemandes, tout de même. Alors, faut imaginer que justement, Pie X a bien conscience d'être le premier pape à être confronté à une guerre mondiale. Et la question qui se pose, c'est que faire ? Que faire dans une guerre mondiale ? Est-ce qu'il faut s'en tenir à la diplomatie traditionnelle des papes ? Mais quand on est un pape, entre guillemets, sans terre, puisque la question romaine n'a pas été tranchée, elle ne le sera qu'en 1929 avec les accords du Latran, qu'est-ce qu'on peut faire ? Benoît XV, lorsqu'il était encore cardinal de Bologne dans les premiers temps de l'année 1914, a été confronté à une émeute dans une ville qui est appelée la Ville Rouge, hein, une ville socialiste très forte, et il est extrêmement inquiet de ce qui peut arriver au Saint-Siège si jamais, tout à coup, l'Italie tombait dans une guerre et basculait dans une guerre. Donc, il s'agit de trouver une position, mais laquelle ? Et tout l'enjeu de sa politique, ça va être de trouver un équilibre entre le rôle moral auquel tout le monde le convie et en même temps une neutralité qui lui permettra par la suite de jouer lui le rôle auquel il pense, c'est-à-dire celui d'un arbitre, celui de l'homme qui s'entremettra pour la paix entre les différents belligérants. Il le tente déjà à la Noël 1914 en proposant une trêve. Et en même temps, il s'agit aussi de maintenir ce qu'on appelle l'impartialité, c'est-à-dire éviter de trancher, éviter de dénoncer pour garder finalement des liens avec les deux parties.
Et ça, il y a un épisode assez célèbre au moment justement du naufrage du Lusitania, c'est-à-dire ce paquebot qui aurait transporté des armes selon les Allemands, qui n'en transportait pas selon l'entente, paquebot coulé par les Allemands, et lorsqu'on sollicite le pape pour qu'il dise « là, on est face à un crime de guerre », le pape fait un parallèle entre le naufrage du Lusitania d'une part et le blocus qui est imposé aux Allemands par les Alliés d'autre part. Donc l'idée, c'est ça, c'est une impartialité, mais une impartialité qui n'est absolument pas comprise, ni d'un côté ni de l'autre, et quand en France… on le dénonce comme un pape boche. En Allemagne, on va le dénoncer comme un pape francophile. Donc c'est un équilibre extrêmement dur. – Vous pensez qu'il n'a pas de préférence, enfin, ou que la diplomatie, parce que le pape c'est aussi tout ce qui est derrière, hein, la diplomatie vaticane est absolument équilibrée ?– Je crois que la grande idée de Benoît XV, et qui va être reprise par la suite par Pie XII, ce qui n'est pas toujours aussi facile à comprendre, c'est que face à une église monde, entre guillemets, on est déjà dans une église monde, face à cette église monde, le pape ne peut pas prendre systématiquement parti. Et donc, c'est un principe qui est ancien dans l'Église, le principe de subsidiarité. Il laisse notamment aux évêques, aux primats, le choix de se positionner politiquement, lui étant finalement l'arbitre qui peut apporter la paix. C'est cet équilibre-là qu'il va défendre via l'impartialité. C'est un équilibre qui n'est pas compris. Je peux vous citer ce mot du cardinal Baudrillard en date du 3 décembre 1914. « On regrette de voir trop de préoccupations purement politiques au Vatican. On voudrait plus de grandeur morale, de souci du droit et de courage de l'affirmer. » Donc, l'idée, manifestement, c'est un pape qui tente de préserver une position et la possibilité d'arbitrer pour la paix dans une société, dans un monde en guerre qui ne comprend pas cette position. – Alors, les évêques sont… c'est assez… fascinant, parce que les évêques doivent, devant leurs ouailles, justifier la politique du Saint-Siège. Mais alors certains ne le font pas, certains critiquent ouvertement ou de manière privée le Saint-Siège, les mots du pape. On le voit notamment, il y a la question de Louvain, l'université de Louvain. Quand la collégiale de Louvain, quand l'université, la bibliothèque de l'université… – Très précieuse bibliothèque. – Exactement, sont détruites, eh bien… le cardinal Mercier, en Belgique, attend une réaction. Il reçoit une lettre, qui est bien évidemment publique, mais il n'y a pas de condamnation réelle. Voilà. Et c'est extrêmement difficile. Alors, en revanche, il y a peut-être un point sur lequel… Parce qu'il faut s'imaginer quand même que les services diplomatiques du Saint-Siège agissent. Ils agissent par exemple vis-à-vis de l'Italie. Ils veulent tout faire pour que l'Italie n'intervienne pas dans le conflit. Ils travaillent sans relâche pour que l'Italie n'intervienne pas dans le conflit. Et l'intervention de l'Italie dans le conflit va être absolument déterminante pour le futur, on pourra le voir plus tard. Mais alors il y a cette action, mais il y a aussi cette action, l'action en Orient. C'est-à-dire que le pape dit, on parle beaucoup de l'expansion allemande, de l'expansionnisme allemand, mais on ne parle jamais de l'expansionnisme slave. Et Rome a peur que Constantinople, c'est l'Empire ottoman, tombe aux mains des Russes et que les Russes aient une influence beaucoup trop importante sur cette partie du monde. Donc c'est assez étonnant de voir le pape lui-même s'inquiéter du fait que l'Empire ottoman puisse se déliter au profit de la Russie qui, on le voit bien aujourd'hui dans la politique mondiale et sur cette partie du monde, la Russie a une influence sur le Moyen-Orient et sur cette partie du monde. Voilà. Il y a les Anglais qui veulent mettre la main sur Jérusalem, bien évidemment ça intéresse la politique du Saint-Siège. Ils ne peuvent pas faire autrement que de s'y intéresser et de faire pencher dans un sens ou dans un autre. Est-ce qu'il y a déjà un droit international? Est-ce qu'il n'y a pas de Société des Nations? Elle est inventée juste après. Est-ce qu'il y a un droit dans lequel le pape pourrait servir de paravent à sa non-intervention, ou il voudrait être ça? Comment ça fonctionne? Alors, le problème du droit international, c'est qu'il est en train d'émerger, il ne cesse d'émerger. C'est un droit qui porte sur la paix et sur la guerre. On peut dire que c'est un droit qui a commencé à se former dès le XVIIe siècle, mais duquel, notamment à partir du XIXe et notamment à partir de la question romaine, le pape a été
toujours mis à l'écart. La plupart des grandes conférences d'organisation du droit de la guerre et de la paix n'ont pas invité le pape. Et donc, tout l'enjeu de ce pouvoir moral qu'il revendique, c'est d'une part de pouvoir proposer des arbitrages. Et comme l'a dit Christophe Dickès et comme l'a montré Jean-Marc Tiki, ces arbitrages fonctionnent notamment en Amérique latine. Ils ont beaucoup plus de mal à fonctionner en Europe pendant la guerre, mais parce que pour qu'il y ait un arbitrage, il faut saisir le pape. Le pape ne peut pas se saisir lui-même d'une question. Mmh. C'est un autre problème. Et deuxièmement, on se méfie du pape, tout bêtement, parce qu'on se dit que si jamais il y a une conférence internationale, le pape va forcément poser la question romaine. Or, personne n'a intérêt à trancher la question romaine, si ce n'est l'Italie elle-même. Mmh. Et donc, lorsque, par exemple, Sir Henry Howard communique les premiers mots, une fois qu'il vient d'arriver à Rome, les premiers mots du pape à l'Angleterre, il dit, voilà, ce pape se présente comme le tenant d'un ordre moral. Et tous les efforts du pape, tous les efforts de la diplomatie pontificale durant la guerre vont être non seulement d'apaiser, et on va voir les diverses manières pour apaiser, mais également de participer à la conférence de la paix et dans cette conférence de la paix, idéalement, de poser la question romaine et la question de la ville de Rome saisie par l'Italie. Mmh. Alors, il y a un troisième point dont on a Christophe Dickès. Pas encore parlé, c'est que très vite, l'action est aussi humanitaire. Et on a tendance à l'oublier, on l'oublie bien évidemment pour Pie XII à tort, on l'oublie aussi pour Benoît XV, mais cette action humanitaire est très importante, elle est double. Le Saint-Siège reçoit des lettres de l'Europe entière demandant de savoir si tel ou tel soldat est mort ou non, est disparu, etc., etc. Et donc, il va se créer un véritable bureau international à Rome, des prisonniers. On intervient auprès du Saint-Siège à chaque fois pour, parce qu'on sait qu'un membre de sa famille est prisonnier, pour que le Saint-Siège intervienne afin que cette personne soit libérée. Et il intervient, enfin, le Saint-Siège intervient à plusieurs reprises et très régulièrement afin de faire libérer des prisonniers, notamment ceux qui sont dans un tel état physique qu'ils ne constitueraient pas une nouvelle menace pour le front. Donc il intervient dans ce sens et il intervient tout simplement eh bien, en pansant les plaies sur le terrain, en apportant de l'argent, en faisant en sorte que les populations civiles qui sont toujours victimes des guerres, eh bien, soient le moins touchées possible à une époque de déplacement de population, à une époque de misère, de mort, que sont toutes les périodes de guerre. Donc il y a, j'allais dire, dans cette action, ce rôle moral, plus qu'un rôle moral, il y a une action véritablement morale. Et ce qui a d'étonnant, c'est que, alors que le pape, en octobre 1917, lors de la défaite de Caporetto, la défaite italienne, le pape se fera insulter par les Italiens parce qu'il n'aura pas critiqué les puissances, la puissance autrichienne et allemande, eh bien, ces mêmes Italiens vont faire appel, et même les plus anticléricaux, il y a des dossiers incroyables là-dessus, où les plus anticléricaux demandent au Saint-Siège d'intervenir pour savoir si tel ou tel membre de la famille est encore vivant ou non. Donc, ce rôle est extrêmement important, c'est l'action. Donc il y a à la fois, j'allais dire, les grands principes, il y a une double action, il y a les grands principes, il y a une diplomatie bilatérale agissant au cas par cas, et dans ce cas par cas, il y a les négociations pour les prisonniers, il y a les négociations pour les interventions humanitaires. Donc action humanitaire et justement action diplomatique, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Comment est-ce qu'il va essayer de négocier entre puissances? Alors, tout l'enjeu, justement, la position du pape vis-à-vis de l'Italie comme vis-à-vis de l'Autriche, c'est de négocier, par exemple, que l'Italie n'entre pas en guerre. L'Italie entre en guerre en mai 1915. Avant, elle appartenait, depuis 1881, à la Triple Alliance, donc à l'alliance formée par l'Autriche et l'Allemagne avec elle. Une puissance centrale, oui. Voilà, mais disons que via des tractations diverses, notamment avec la France d'un côté, du fait aussi d'une guerre menée par l'Italie contre la Turquie en 1910-1911, l'Italie n'entre pas en guerre en 1914. Elle va, entre guillemets, monnayer son entrée en guerre. Elle la monnaie d'un côté, du côté de Berlin et de Vienne. Et là, le pape va s'entremettre pour que cette négociation puisse aboutir. Elle la monnaie aussi très discrètement du côté de Londres et de Paris. Et là, pour le coup, le pape n'en a aucune idée. Donc, vis-à-vis de Rome et de Vienne, l'idée, c'est que l'Italie puisse rester tranquille, ne pas intervenir, et qu'en échange, elle puisse compléter
son unité mmh. en récupérant une partie des territoires détenus par l'Autriche mmh. et qui étaient des territoires italiens, le Haut-Adige, etc. Et donc, le pape va s'entremettre pour que cette négociation fonctionne. Il s'entremet quasiment dès août 1914 avec l'appui des Italiens. Berlin pousse bien sûr à cette solution. Mmh. Pendant un moment, on arrive en novembre 1914 à un compromis qui semble acceptable. L'Autriche donnerait à la papauté ces fameux territoires. Ces fameux territoires seraient par la suite rétrocédés à l'Italie et en échange, l'Italie rendrait Rome au pape. C'est une combinaison mmh. qui n'a pas marché. Il y aura par la suite d'autres tentatives, mais lorsque peu à peu approche la réalité de l'échec vis-à-vis de Vienne et de l'autre côté, le fait qu'avec Londres, l'Italie a réussi à trouver, avec l'accord de Londres, l'Italie a réussi à pactiser finalement avec la Triple Entente. À ce moment-là, le pape, à partir de mai 1915, considère qu'il ne peut plus sauver une paix bilatérale. Il va donc s'attaquer à une autre paix, une paix multilatérale. Oui. Ce que ne sait pas le pape, c'est que... il y a un article dans le pacte de Londres qui met donc l'Italie du côté de la France et de l'Angleterre. Il y a un article qui est l'article 15, 1915, article 15, moyen mémotechnique pour s'en bon souvenir. Savoir. L'article 15 qui dit que dès qu'il y aura des négociations de paix, eh bien, il faudra exclure le Saint-Siège de ces négociations de paix. Mmh. Et ça, c'est extrêmement important, évidemment, pour l'avenir, même si... On n'aura peut-être pas le temps d'arriver jusque-là, c'est ce qui va se passer de fait. C'est ce qui va se passer, c'est ce qui va se passer de manière, disons, très courte. Le gouvernement italien à l'époque, donc à la période de la négociation de paix, en fin 1918, premier semestre 1919, eh bien, est un gouvernement italien, c'est Orlando, qui est beaucoup plus, j'allais dire, qui n'est pas un anticlérical et qui visiblement est prêt à tendre la main à Rome, mais ça ne peut se faire à ce moment-là, ça se fera plus tard, il faudra attendre le règne de Pie XI, donc, qui succède à Benoît XV en 1922. Mais il y aura un conseiller officieux qui s'appelle Cerretti, Monseigneur de Cerretti, qui sera là lors des négociations de paix et qui agira dans les coulisses, qui n'obtiendra pas tout ce que souhaite le Saint-Siège, mais qui l'obtiendra en partie. Mais la question qu'il souhaitait voir abordée lors d'une conférence de paix, c'est-à-dire le statut du Saint-Siège, cette puissance, le statut de puissance, ne sera pas abordé lors de cette négociation de paix. Mmh. Voilà. On revient peut-être un peu en arrière. Après 1915, il y a l'année charnière de 1917. Il y a la mort, bien évidemment, de François-Joseph, qui est ce vieil empereur. C'est mmh. la fin de toute une époque, le fameux mari de Sissi. Et il y a un nouveau contexte, parce qu'il y a la révolution, russe. Mmh. Il y a le front qui se bloque à l'ouest, à l'est ça bouge également avec cette révolution, et donc il y a une nouvelle opportunité. Et c'est là où le Saint-Siège apprend, j'allais dire, à agir d'une autre façon et se place moins du côté des principes et va être un peu plus concret dans ses propositions. Et il y a une proposition de paix en août 1917, et cette proposition de paix, encore une fois, sera beaucoup plus concrète. C'est quoi être concret ? C'est apporter des solutions, essayer d'apporter des solutions territoriales en dehors, j'allais dire, de tout ce que l'on peut conseiller en matière de désarmement, etc. Et cette solution de paix, elle va être examinée sérieusement par les différents partis. C'est ce qu'on va entendre, enfin on va entendre le début de la lettre du 1er août 14, qui s'appelle « Dès le début » justement, puisque les premiers mots c'est « Dès le début de notre pontificat ». C'est encore un texte de Benoît XV. Dès le début de notre pontificat, au milieu des horreurs de la terrible guerre déchaînée sur l'Europe, nous nous sommes proposé trois choses entre toutes. Garder une parfaite impartialité à l'égard de tous les belligérants, comme il convient à celui qui est le père commun et qui aime tous ses enfants d'une égale affection. Nous efforcer continuellement de faire à tous le plus de bien possible, et cela sans acceptation de personne, sans distinction de nationalité ou de religion, ainsi que nous le dicte aussi bien la loi universelle de la charité que la suprême charge spirituelle à nous confiée par le Christ. Enfin, comme le requiert également notre mission pacificatrice, ne rien omettre autant qu'il était en notre pouvoir de ce qui pourrait contribuer à hâter la fin de cette calamité, en essayant d'amener les peuples et leurs chefs à des résolutions plus modérées,
aux délibérations sereines de la paix, d'une paix juste et durable. Quiconque a suivi notre œuvre pendant ces 3 douloureuses années qui viennent de s'écouler a pu facilement reconnaître que si nous sommes restés toujours fidèles à notre résolution d'absolue impartialité et à notre action de bienfaisance, nous n'avons pas cessé non plus d'exhorter peuples et gouvernements belligérants à redevenir frères, bien que la publicité n'ait pas été donnée à tout ce que nous avons fait pour atteindre ce très noble but. Voilà, alors dans la suite du texte que je n'ai pas fait lire, le pape se permet des propositions extrêmement précises en fait, en s'adressant à chacun des belligérants en disant vous pourriez faire ça. J'ai envie de vous demander, mais de quoi il se mêle? Alors je parle peut-être comme un Français en 1917, mais en disant mais le pape n'a pas à se mêler de ça. Il fait une proposition qui est révolutionnaire, mais peut-être trop révolutionnaire pour l'époque, il propose une paix blanche, une paix sans vainqueur ni vaincu. Est-ce qu'après 3 ans de guerre, il est possible de conclure la guerre sans vainqueur ni vaincu, ni d'un côté ni de l'autre de la tranchée? On ne l'entend. Mmh. Et donc, c'est un échec. Alors, c'est un échec qu'il faut relativiser, puisque en faisant cette proposition de paix, Benoît XV, un, fait la démonstration qu'il a effectivement un pouvoir moral, qu'il a cette possibilité d'arbitrage. Il a été écouté comme arbitre, refusé peut-être, mais finalement écouté. Et cette tradition de l'arbitrage, on va la voir par la suite revenir dans l'histoire de la papauté. Elle va marquer déjà l'un de ses principaux conseillers, l'homme qui a été nommé secrétaire de la Congrégation des affaires ecclésiastiques extraordinaires, Monseigneur Pacelli, le futur Pie XII. Confronté à la même situation, c'est-à-dire à une guerre mondiale et à des horreurs sans nom, Pie XII va finalement essayer de fixer sa politique par rapport à ce qu'il a connu, c'est-à-dire celle de Benoît XV plongé dans le même dilemme. Et je pense qu'on peut déjà éclairer la politique de Pie XII à partir de ce précédent-là. Mmh. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que finalement, Benoît XV a réussi à imposer au monde une nouvelle forme de diplomatie pontificale et que même si le monde, entre guillemets, a refusé le résultat de cette diplomatie, au moins il en a accepté le principe. Et ces principes vont être répétés par la suite systématiquement. Il y a cette formule qu'on prêtait à Staline lorsque Churchill lui parlait de l'appui de Pie XII, Staline qui disait « Le pape, combien de divisions ?» Sous-entendu, il n'y a aucune division militaire. On peut constater que quelques années plus tard, en 1975, les divisions pontificales sont accueillies pour proposer un arbitrage dans le cadre de la conférence d'Helsinki. Preuve que ce pouvoir moral, moi je considère qu'en 1975, il est désormais accepté par la plupart des États, y compris par un État qui, naguère, l'URSS, l'avait récusé. C'est vraiment le point clé, c'est le pape Benoît XV qui disait que c'est il vivait les heures les plus amères de sa vie, non pas de son pontificat, de sa vie, les plus amères de sa vie. C'est l'époque où Léon Blois l'appelle Pilate XV. Léon Blois dit « En ne demandant pas de réparation à l'Allemagne, le pape se lave les mains de la mort de 10 millions d'hommes. » Voilà, il y a vraiment une situation absolument inextricable. L'Italie ne répond pas. L'Italie ne répond même pas au pape. Gaspari, qui est le secrétaire d'État, le cardinal Gaspari, dit que c'est una vera mascalzonata, c'est-à-dire une véritable saloperie, alors qu'il propose la paix, qu'il ne répond même pas et il n'apporte aucune attention à ce désir de paix. Et les seuls à apporter un minimum de crédit à cette proposition, paradoxalement, ce sont les anglo-saxons, à la fois les Anglais et les Américains Wilson. Mais c'est là où il y a un hiatus qui est extrêmement intéressant, c'est que Wilson, donc le président américain Wilson, va se placer sur le plan moral et sur le plan démocratique. C'est-à-dire qu'il va affirmer qu'il ne peut y avoir de paix tant que l'Allemagne n'est pas démocratique. Et en faisant un principe, il bloque, bien évidemment, cette paix. Il faut quand même se dire que le pape est aussi là pour défendre l'Autriche-Hongrie, qui est une couronne catholique. Et cette Autriche-Hongrie va exploser en 1919 par le traité de Saint-Germain-en-Laye. Donc,
Le pape est là pour défendre aussi cette couronne. Et cette défense, eh bien, il ne peut l'assurer. Alors, il y a des succès, ce n'est pas simplement que négatif, et peut-être un des plus grands succès de la diplomatie, mais la triple entente le souhaitait également, la renaissance de la Pologne. La Pologne catholique, c'était extrêmement important, et on voit dans les textes du Saint-Siège, la secrétaire d'État, que le pape souhaitait la renaissance de cette Pologne, puisque la Pologne n'existait pas. Mmh. Elle était divisée entre la Prusse, l'Autriche et la Russie. Et donc ça, c'est une des victoires, en quelque sorte, de la diplomatie pontificale. Et ce changement va permettre justement par la suite et dans l'immédiate après-guerre, à la diplomatie pontificale, d'abord à Benoît XV, puis à Pie XI, puis à Pie XII, de reformuler ou de repenser la société internationale au moment où une société internationale et où un droit international se met en place, d'abord avec la Société des Nations, puis si on se projette un peu plus loin dans un deuxième temps avec l'ONU, la papauté va pouvoir se positionner par rapport à ses projets et proposer son propre projet de réorganisation, se compter désormais comme un acteur plein de la société internationale, mmh. ce qui lui a été contesté depuis la question romaine, depuis 1870. Il y a un parallélisme entre la vision pontificale et une partie, je ne dis pas tout, mais une partie des fameux 14 points de Wilson qui vont présider à la paix. Les 14 points qui vont être très concrètement une volonté, enfin un plan tout simplement pour les années 1919. Mais la papauté finalement marque l'avenir, parce que l'avenir de la diplomatie pontificale entre les deux guerres, parce que Pie XI va adopter une position pro-allemande, parce que et Benoît XV et Pie XI ne vont jamais accepter le fait que cette paix soit réalisée contre l'Allemagne et vise l'Allemagne. Alors que, par exemple, si vous prenez la paix de Vienne en 1815, le traité de Vienne, eh bien, la France, qui était vaincue, après les guerres napoléoniennes, était à la table des négociations. On avait Talleyrand, et ce n'était pas le dernier des négociateurs. C'était un des plus grands négociateurs qu'on ait connu dans l'histoire de la diplomatie française. Donc Talleyrand était là, Talleyrand était à la table, et il était même vaincu, il avait une place. Voilà. Eh bien, cette place, on la refuse à l'Allemagne lors des négociations de 1919. Mmh. Et donc, Pie XI va vouloir réhabiliter... Benoît XV, puis ensuite Pie XI, vont vouloir réhabiliter cette Allemagne dans le concert des nations. Alors on arrive à la toute fin de l'émission. Il nous reste quand même une petite question. À part faire la guerre, comme disait Clémenceau, qu'est-ce que vous faites? Je fais la guerre. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans ce pontificat? Est-ce qu'il y a quelque chose de... Enfin, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelques éléments... ça a dû beaucoup l'occuper, j'imagine. Mais est-ce que... Ben, oui, j'allais dire, c'est un pontif comme un autre, il a fait son métier de pape, mais la priorité, c'était bien cette guerre. Après, il y a une politique vis-à-vis des missions, il y a la gestion de la curie, il y a un moment très important de l'histoire de l'Église qui s'appelle la publication du code Pio-Bénédictin, Pio pour Saint-Pie-X et Bénédictin pour Benoît XV, puisque le travail visant... Donc c'est le code de droit canon. Le code de droit canon va être créé, hein, je parlais de mini-révolution tout à l'heure, c'est bien une mini-révolution pour l'histoire de l'Église que de mettre fin à des dizaines et des dizaines de droits particuliers dans l'Église et d'avoir pour l'Église latine un seul et même droit. Et ce code, eh bien, va perdurer jusqu'à la réforme de Jean-Paul II en 1983-84. Mmh. Le premier en 1917. Voilà. Mmh. Dernière question. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce pape? J'avais commencé en disant qu'il était, enfin qu'on a une image un peu négative. Hein. Vous avez tenté de le réhabiliter. D'un mot, qu'est-ce qu'il faut retenir? Et est-ce qu'on peut dire que son pontificat a été un échec? Moi, j'aurais tendance à penser que son pontificat a renouvelé la manière dont le Saint-Siège se positionnait dans les relations internationales. Il a repris finalement l'héritage, on l'a vu, non seulement de Pie X, mais de Léon XIII, un héritage à la fois en termes juridiques, mais aussi également en termes politiques. Et dans une situation extrêmement complexe, il a réussi à affirmer la position du Saint-Siège, non pas à rétablir la paix, bon, ça a été un échec, mais au moins à parler. Et parler pour un pape ou pour une papauté qui était considérée comme muette depuis la perte des États pontificaux, c'était un exploit. Donc, rien que pour cela, déjà, je pense que son pontificat a été un succès, puisqu'il a finalement
planter les graines à partir desquelles Pie XI puis Pie XII vont transformer la manière dont le monde voit désormais le Saint-Siège comme une force de paix et comme une capacité à arbitrer. Mmh. Il incarne pour moi toute la tension et toute la difficulté entre les aspirations universelles de l'Église, catholique universelle, et les intérêts nationaux, ni plus ni moins. Mmh. Et jamais dans l'histoire de l'humanité, on était arrivé à une telle exacerbation des sentiments nationaux. Lui, eh bien, au fond, il s'est présenté en prophète, et comme souvent dans l'histoire de l'Église, eh bien, les prophètes n'ont pas été malheureusement écoutés. Très bien, c'est sur ces mots qu'on terminera. Alors, un peu de bibliographie. On va présenter le livre que vous avez en main, là, Christophe Dickès. Ça s'appelle « Dictionnaire du Vatican et du Saint-Siège ». C'est paru aux éditions Bouquin. Vous l'avez fait, vous en êtes le directeur, mais vous l'avez fait en compagnie de Gilles Ferragu et de Marie Levent. Et puis, un autre texte dont vous avez fait mention, chez Taillandier, « Ces 12 papes qui ont bouleversé le monde ». Et puis, Gilles Ferragu, vous avez beaucoup publié, je note une biographie de Lyautey, que j'ai beaucoup appréciée, mais ce n'est pas ça qu'on va montrer. On va montrer le XXe siècle, 1914-2001, c'est aux éditions Hachette. Merci vraiment à tous les deux de nous avoir fait découvrir la figure de Benoît XV. Je pense que les téléspectateurs vont mieux l'apprécier ainsi. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de la chaîne www.kto.tv.com. Merci, à la semaine prochaine.